10 seatbelt. Like any other seatbelt, you insert the flat metal fitting into the buckle, pull on the strap to tighten it low and tight around your hips, and to release lift the upper portion of the buckle. It is that simple. You need to keep your seatbelt fast, so whenever the seatbelt signs illuminate, if you look up, you'll see that they are right now. Next, we will be pointing out our 6 emergency exits on board this aircraft. There are 2 window exits located mid-cabin over the wings. 2 door exits are in the forward of the cabin, 2 more door exits in the rear of the cabin. Take time to note all of those exits as well as the one closest to you, keeping in mind that that may be behind you. And this super cool Boeing 737 is equipped with floor lighting, which will come on automatically in the event of a power loss or an emergency. The floor area will be illuminated and exits will be indicated by exit signs. The cabin pressure is controlled for your comfort and safety. If this should change, those panels located over your heads will open automatically, releasing 4 oxygen masks. Remain seated and pull a mouse towards you. This will start the flow of oxygen. Place that bright yellow cup over your sniffer and your kisser, securing it behind your head with the elastic strap, pulling on the loose ends in front to tighten. Breathe normally and don't remove that mask unless you're instructed to do so by one of your uniformed flight crew. Even though oxygen's flowing, the plastic bag may not inflate. That's perfectly normal. And just a side note that anyone who's traveling with little West Enders, anyone who needs a little extra assistance, that you do don your own mask prior to helping out anyone else. Now, in preparation for a speedy taxi and takeoff to Vancouver today, we need your help in securing the cabin. If you can ensure when you look down right now, all you see is that speckled blue carpet. That means you have rammed and jammed and crammed all of your carry-on bags. Everything is securely stowed. All we want to see are your feet when we come through to check. We'll also need your seat backs and tray tables in their locked upright position. And of course, we'll need you to adhere to the guest information signs, which are located up in that console above your seat. Now you get to sit back and relax as we do our best to give you a great 1-hour and 55-minute flight up to Vancouver today. If you have any questions, any concerns, do feel free to bring those forward to us. We're here for your comfort, guys, but most importantly for your safety. And at this time, you are more than welcome to continue using any headsets that you may have had in your ears, as well as any of the portable handheld electronic devices, provided that they are secure and, of course, they are in airplane mode. Thanks so much, folks. We will be doing this one more time in French, and we'll be up and on our way. Afin d'assurer la sécurité de tous, nous vous prions de nous accorder toute votre attention alors que nous examinons les procédures de sécurité suivantes. Dans la pochette du siège devant vous, vous trouverez une carte des mesures de sécurité. Veuillez en suivre avec nous les points importants. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez la languette de métal dans la boucle. Tirez sur la courroie pour l'ajuster sur vos hanches. Pour détacher votre ceinture, il suffit de soulever la boucle. Votre ceinture de sécurité doit être attachée en tout temps lorsque le voyant lumineux est allumé. Il y a un total de 6 sorties d'urgence sur cet appareil. Il y a 2 hublots de sortie situés au milieu de la cabine au-dessus des ailes. 2 portes de sortie à l'avant et 2 portes à l'arrière de la cabine. Ces sorties d'urgence sont clairement indiquées. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre place, ainsi que l'emplacement des autres sorties de secours. Cet appareil est équipé d'un éclairage au sol qui s'allumera en cas d'urgence ou de panne d'alimentation. Un trajet lumineux vous conduira à la sortie d'urgence. La pression dans la cabine est réglée pour assurer votre confort. En cas d'un changement de pression, le panneau situé au-dessus de votre tête s'ouvrira automatiquement et déclenchera 4 masques à oxygène. Restez assis, tirez sur le masque et l'oxygène se libérera automatiquement. Placez le masque fermement sur votre nez et votre bouche, tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Pour serrer, tirez simplement sur les 2 extrémités de la bande élastique. Respirez normalement et gardez votre masque jusqu'à ce qu'un agent de bord vous demande de l'enlever. Il est possible que le sac de plastique ne se gonfle pas, même si l'oxygène circule. Nous rappelons aux invités voyageant avec des enfants ou une personne ayant besoin d'aide qu'ils doivent placer leur masque en premier avant d'aider les autres. Veuillez redresser le dossier de votre siège et votre tablette et respectez les consignes lumineuses situées sur le panneau au-dessus de vous. Vous pouvez maintenant utiliser vos écouteurs et petits appareils électroniques portatifs, tant que ces appareils demeurent sécurisés ou tenus et que le signal cellulaire soit éteint. Si vous avez des questions ou si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol.